bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur The Legend of Zelda The Wind Waker. La dernière fois, on s'était laissé ici, dans cette petite salle. C'était pas un épisode très fun, parce que j'avais pas beaucoup parlé, parce que j'étais surtout concentré de ce qui se passait, il y avait des ennemis, tout ça, c'était ultra chiant. Du coup là, on va continuer, j'avais vu ça la dernière fois, hop. Hop, voilà, parfait. Alors, attendez, 2 minutes. Ok, re. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Oh là. Ok, alors on va utiliser ça. Vous me connaissez maintenant. Ok, hop. Oh là, hop là. Ah, mais je connais cet endroit. Oh. D'accord, on connaît cet endroit, ok. Ok, par contre, la salle du boss, où est-elle? Oh, c'était pas ça, c'était pas là, ça, avant. C'est juste pour faire ça, d'accord. Ok, hop. Merde. Ok, hop là. Parfait. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Ah, j'ai jamais vu ça. Enfin si on a... Oh alors, attendez là. Pourquoi pas? Oh, un coffre! Un coffre. Alors, la dernière fois, on a vu, j'ai eu la grande clé. On a vu la grande clé la dernière fois. Hein. Je vous rappelle. Je vous rappelle qu'on avait eu la grande clé. Par contre, ça va me faire chier. Hein. Parfait. Hop. Qu'est-ce qu'on va avoir? Ok, un pendant du bonheur, pourquoi pas. On avait eu la grande clé, du coup là on va chercher le boss. On va peut-être faire le boss dans cet épisode. Donc j'ai toujours pas fait le montage de la dernière vidéo, de la précédente vidéo, donc je sais pas si ça va vous plaire. Oh, en parlant de boss, je crois que je l'ai trouvé. Parfait, donc là on peut aller voir la salle, enfin le boss de ce donjon. Je crois que j'ai pas de cœur. Et ça, c'est un problème. Ça va, j'ai des cœurs. C'est quoi ça? Ah bah non! Ah bah oui, c'est le petit truc là. Mais je crois qu'il va. Comment te dire que t'es sur une petite fleur qui va être un peu méchant pour moi. Il l'a avalé ce con. Ok, alors je sais pas comment tu peux tout battre ce boss. What the fuck? Je sais comment battre ce boss alors. Ça, alors, le combat va se passer. What the fuck? Non, idiot, c'est par là que ça se passe. Wow. Ok, voilà, c'est ça, l'idée du boss. Ok. Qui m'envoie un message? M'envoyez pas de message, s'il vous plaît. Wow.
putain, mais non. Ok. Il manque plus que ça. Ok, hop, hop, hop. C'est moi ou ils sont génère? Ok. Ok. Mais putain, mais non, mais Link, qu'est-ce que tu fous? Je déteste la 3D. Ça c'est le meilleur moment du monde. Ok. D'accord, on perd des PV à chaque fois si on reste dedans. Ok, des cœurs, parfait. Ça me plaît, les cœurs. Merde. Ok, parfait. Parfait. Deuxième phase. Ah non. Parfait. Lui est toujours sur la fleur. Bravo Link. C'est toi qui m'as délivré à une idée à l'épée. Merci beaucoup. J'ai dû m'évanouir et j'ai pensé que j'allais mourir. Mais au fait, comment es-tu venu jusqu'ici? C'est donc grâce au vénère arbre Mojo. Mais c'est vrai, la cérémonie annuelle doit avoir lieu aujourd'hui. Partons vite d'ici. Eh ben, tu veux bien que je prenne mon cœur. Vous avez obtenu un réceptacle de cœur. Ok, parfait. Donc j'ai plus rien à foutre ici. Qui m'envoie un message? D'accord. Les Corrigo, ils partent avec nous. Ok, on est revenu vers l'arbre Mojo. Du Moria, te voilà. Tu es sain et sauf. Bien sûr. Mais d'arbre Mojo, excuse-moi. Pourtant, tu m'avais mis en garde. C'est oublié, du Moria. La prochaine fois, tu feras plus attention. Link, bravo pour ton courage. Je te remercie. Voici ce que je t'ai promis. Oh oui. Vous avez obtenu la perle de Faror, le joyau divin qui vous a remis par l'arbre Mojo l'esprit de la terre. Je vais prier pour que cette perle te porte chance. Allez, tu Moria, sèche tes larmes. Joue donc un morceau comme d'habitude. Commençons vite la cérémonie. Excusez-moi pour ce contretemps, allons-y. Je suis violent. Tiens, Link, pour te remercier, je vais essayer de jouer encore mieux que d'habitude. J'espère que ce morceau te plaira. Thank you.
vignoble Arbromojo, tes fruits sont superbes cette année. Avec d'aussi beaux fruits, nous allons pouvoir agrandir la forêt. Ne perdons pas de temps, à bientôt. À l'année prochaine. Portez-vous bien. Toi aussi, l'ami à l'épée. Porte-toi bien et à un de ces jours. Il joue encore lui. D'accord. Bon, allez, maintenant on se casse. J'en ai marre. La racu. La ra le cul. Il est où là l'ancêtre là? Il est là l'ancêtre. Cet endroit porte bien lui aussi la marque de Ganon. Comment peut-il donc retrouver ainsi toutes ses forces? Link, la dernière perle que tu dois trouver est dans un endroit situé au nord-ouest d'ici. Partons vite. Allez, hop, on va. On va aller à Mercantile, mais et on fera des mini-quêtes en live. Je sais pas quand exactement. Ouais, bon. On va aller sur l'île principale pour l'instant. On va pas déjouer. On va pas déjouer. Et peut-être qu'on fera d'autres trucs. Oui, s'il te plaît. La voile. Accueillez cette belle musique. Et trop bien. C'est Village Cocorico. C'est faux. Je sais plus. En tout cas, ça vient de Ocarina of Time. Oh oui. Ça vient pas d'Ocarina of Time. Oh, j'adore ce jeu. Terre en vue! Hein? Mais. Île du poison. Mais l'île est. Détruite. Arrivons-nous trop tard? J'en avais peur, mais je ne pense pas à ce point. J'ai vu l'esprit de l'eau. Vivait, paraît-il, dans cette île. Mais vu l'état de l'île, il vit-il encore? J'avais trop d'îles. Eh oh, Link! What the fuck? Et j'ai un peu crié dans vos oreilles, je suis désolé. Oh, comment il s'appelle lui? Je m'en rappelle même plus. C'est le facteur? Oui, c'est le facteur. Enfin, te voilà, je t'ai cherché partout. Je crois que tu cherches Jabu, l'esprit de l'eau, c'est bien ça? Je suis désolé, mais je dois te dire que Jabu n'est pas ici. Cet endroit est lugubre, n'est-ce pas? Encore un coup des monstres de la forteresse maudite. Mais rassure-toi, celui que tu cherches, Jabu, a eu le temps de s'enfuir avant que l'île ne soit détruite. Et devine où il a trouvé refuge. Dans l'île où tu es né. L'île de l'aurore. Mais tu auras beau aller sur l'île de l'aurore, tu ne pourras pas rencontrer Jabu. La caverne dans laquelle il se cache est fermée par une lourde stèle qui la rend inaccessible de l'extérieur. Même les pirates n'ont paraît-il pas réussi à y rentrer. Désolé Link, je pense que les pirates savent où tu étais. Je leur ai
donc distraitement parler de tout ça, et voilà qu'ils sont partis vers l'île de l'Aurore pour pénétrer dans la grotte. Mais ils n'ont pas réussi à y pénétrer et ils se trouvent maintenant sur Mercantile, sans doute en train de récupérer un mauvais coup. Si tu veux aller à trouver Jabu, tu devrais peut-être aller voir ce qui se trame sur Mercantile. Mais cette île c'est quand même dingue. Il fait beau partout, ailleurs en mer, mais ici le ciel est noir et menaçant. C'est d'un triste. Valou avait sûrement raison quand il m'a dit de venir te raconter tout ça. Il a dit que cette île était maudite. Toi non plus, ne reste pas trop longtemps ici. Je t'ai dit que ce que j'avais sur Jabu. Ok, alors on doit aller sur Mercantile alors. Bah c'est vrai, on va aller sur Mercantile, mais ce sera pour la prochaine vidéo les gens. La prochaine vidéo, malheureusement, du coup on doit aller à Mercantile. Le grand Jabu est donc sain et sauf. Cet esprit qui a traversé courageusement les âges aurait donc aperçu l'imminence de l'attaque de Ganon. À en croire les dires de ce piaf, les pirates sauraient quelque chose sur la caverne dans laquelle se cache Jabu. Allons donc sur Mercantile et tentons de découvrir ce qu'il s'y passe, d'accord? Eh bien on y va. Mais ce sera pour le prochain épisode les gens. Du coup les gens, on va se laisser là les gens. On va quitter cette île. On va se quitter en même temps. Cette île est très triste. Oh non, la musique. Oh, elle est nulle la musique. Oh, je l'aime pas. On dirige bien vers Mercantile. Oh, parfait. Bon, les gens, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter cette vidéo. La prochaine fois, on ira à Mercantile, les gens. Et n'oublie pas, le plus important, c'est de vous abonner. C'est gratuit. Ça fait toujours plaisir, ce truc. Et sur ce, je vais vous dire au revoir et à bientôt pour un prochain épisode. Ciao tout le monde.